بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا غريب توس، السلام عليك يا إمام علي بن موسى رضا المقتدى عليك السلام. Ce que vous voyez derrière moi ici, c'est le mausolée de l'imam Rida alayhi salam, le huitième imam de l'islam, le huitième calife du prophète. Cette mosquée, c'est dans la ville de Mashhad, c'est en Iran. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la grâce d'y aller. C'est un lieu de miracles, de guérison et de miséricorde. Si tu y vas, ton corps est guéri et ton âme est guérie. Qu'Allah vous accorde la grâce d'y aller. Imam Rida alayhi salam est né le 11 du mois de Zulqa'da. Dans la première vidéo, nous avons vu quelle était son approche rationnelle et intelligente et logique pour convaincre des chrétiens que vraiment Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Dans cette deuxième partie, inshallah ta'ala, nous allons essayer de démontrer que l'imam Rida a prouvé que Jésus-Christ n'est pas Dieu, et il s'est basé sur l'argument le plus répandu que les chrétiens propagent dans le monde pour annoncer la divinité de Jésus-Christ, alayhi salam. Avant d'y entrer, sachant que l'imam Rida nous fait un signe qui est très fort par ses débats avec des chrétiens, avec des juifs, avec des athées, avec toute catégorie de personnes et de confessions, qu'il faut accepter d'abord la différence. Il faut accepter que ces gens-là existent et il faut faire des précautions et des mises en garde pour que ses idées n'infiltrent pas l'islam. Il était le guide de son époque. C'est le rôle des imams dans les quartiers, des guides dans les ministères, des guides religieux, je veux dire, des imams respectés du monde entier, d'être des remparts contre l'infiltration des idées sataniques dans la religion musulmane. Et si on ne le fait pas, les imams seront responsables. Ils seront interrogés à la fin du monde. Pourquoi n'ont-ils pas amené des anti-arguments, des antithèses pour contrer des idées? Car les idées sataniques viennent de partout. On a les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est encore accéléré. On a partout des idées qui renient l'existence de Dieu, qui critiquent l'islam, critiquent le schisme, qui font tout. C'est aux musulmans de mettre, surtout les leaders religieux, c'est aux musulmans intellectuels de se mettre comme étant des remparts afin de protéger la communauté, afin de les vacciner, de sorte que quand ils entendront ces arguments qui nient l'existence de Dieu de l'islam, qu'ils puissent être prêts à résister et à ne pas succomber et à être tentés à quitter l'islam, à être soit dans le doute ou abandonner complètement la religion musulmane. Cette parenthèse étant fermée, revenons à l'entretien entre l'imam Rida alayhi salam et les chrétiens. Quand ils sont venus, ils ont dit « Nous, on accepte que Jésus-Christ est Dieu. » L'imam Rida a dit « Nous, on croit à Jésus-Christ. On croit à ce Jésus qui est dans le Coran, qui n'est ni fils de Dieu, ni Dieu, mais prophète de Dieu. » Ils ont dit « Mais non, il est Dieu. » Il leur a donc dit « Pourquoi est-ce que vous prétendez que Jésus-Christ est Dieu ?» Ils ont dit que celui qui crée, celui qui ressuscite les morts, j'allais dire, n'est-il pas digne d'être adoré ? L'imam Rida a dit « Ok. » Donc c'est votre argument principal. Jésus-Christ, il a été quelqu'un qui a eu la puissance de redonner la vie à quelque chose qui est mort. Ils disent oui. Ils disent donc, une personne qui a cette capacité ne peut être qu'un dieu ou un fils de Dieu. Mais vu qu'il a démontré qu'il n'est plus fils de Dieu dans la vidéo précédente, aujourd'hui il va encore démontrer à ces gens qu'il ne peut pas être Dieu. Et il va être lui cette fois-ci, pas seulement la raison, mais aussi les textes des chrétiens. Ça montre donc que l'imam connaissait les textes des chrétiens. Il connaissait leurs livres, leurs arguments. Car s'il utilisait le Coran, les chrétiens vont dire on ne croit pas au Coran. Le Coran, par exemple, dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Si tu dis ça à un chrétien, tu diras, mais moi, dans mon livre, c'est écrit qu'il est crucifié. À toi d'aller vérifier dans la Bible les argumentations qui démentissent la crucifixion et tu viens dire ça aux chrétiens. C'est là qu'ils vont t'aider. Imam Rida t'enseigne donc que toi, le musulman, tu dois lire les livres des philosophes, tu dois lire les livres des athées, lire les livres des chrétiens, des juifs, afin de préparer ta défense quand tu seras face à ces types d'idéologies. Imam Rida alayhi salam leur dit, ah bon, vous dites que donc Jésus-Christ, vu qu'il a ressuscité des morts, donc il est digne d'être adoré. Ils disent oui. Il a dit donc, écoutez-moi très bien. Il a dit, « Wa Hizqiyel ahya 35 alf rajulin. » Min ba'di mawtin bi 60 sana.
Il dit, mais Ézéchiel, dans votre Bible, vous avez un chapitre qui s'appelle Ézéchiel. C'était un prophète, il dit oui. Il dit, Ézéchiel, il a ressuscité 35 000 hommes, toute une armée qui était morte depuis plus de 60 ans. Ils disent, ah bon? Il dit oui, il donne les références. Et puis ils lisent, ils voient que c'est vrai. Il continuera en disant donc, وقوم من بني إسرائيل خرجوا من بلادهم من الطاعون وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله في ساعة واحدة. Il dit, il y a un autre groupe aussi qui craignait ce qu'on appelle le choléra. Ils ont fui leur ville. Allah les a décrété la mort. Ils sont tous morts à la seconde. Après, فأوحى الله إلى نبي من على نبي مر على عظامهم بعد سنين أن نادهم. Un prophète passait près de ses ossements un jour. Allah dit à ce prophète-là, appelle ces gens-là, فَقَالَ أَيَّتُهَا الْعِظَامِ الْبَالِيَةِ Ô vous les eaux qui sont complètement délabrées, قُومِي بِإِذْنِ اللَّهِ Lève-toi par la puissance d'Allah, فَقَامُ Imam Rida dit, et ces eaux-là sont devenues vivants, ils ont été ressuscités. Imam Rida dit donc, ça sa conclusion, il dit, فَإِنْ كَانَ مَنْ أَحْيَى الْمَوْتَى يُتَّخَذُ رَبًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ Il dit, si dans votre logique, quiconque fait vivre les morts doit être divinisé. Alors, Fattahizuha ulai kullum arbaban. Utilisez donc, prenez tout ceci-là comme étant Ézéchiel et ce prophète-là, divinisez-les. Ne soyez pas des gens qui sont égoïstes et discriminatoires. Ne sélectionnez pas Jésus-Christ et laissez les autres. Il n'est pas le seul dans la Bible à avoir ressuscité les morts. Donc, divinisez tous les prophètes qui sont dans la Bible et qu'on a dit qu'ils ont ressuscité les morts avant eux. Et là, fa aslam al-nasrani. Automatiquement, les chrétiens qui étaient là se sont convertis à l'islam. Ils ont compris qu'ils avaient une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. C'est très beau ce passage. Aujourd'hui, vous et moi, avec l'internet, on peut aller vérifier ces informations de la Bible. Allez voir, par exemple, ce que l'imam a dit, c'est dans Ézéchiel, chapitre 37, de verset 1 au verset 10. Ézéchiel était là, c'était des ossements. Et Ézéchiel a appelé, il a dit, Dieu l'Éternel m'ordonne de vous dire de vous lever. Et Ézéchiel dit que ses ossements se sont ont bougé et les os, les chairs, les veines les ont couverts et la peau les a couverts. Toute l'armée fut ressuscitée. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 10. Il m'a voulu utiliser la Bible pour convaincre des chrétiens. Et plus loin, il y a ce qu'on appelle ici Élie. Élie a ressuscité un enfant. Élisée a ressuscité un enfant, c'est-à-dire que l'enfant était mort. C'est dans 1 roi, chapitre 17, verset 24. Là aussi, allez lire, vous allez voir que le prophète Élie a ressuscité des morts. Imam Ali Ruda dit donc à ses chrétiens, Jésus-Christ n'est pas le seul à avoir ressuscité les morts. Ézéchiel l'a fait, Élie l'a fait, mais même Élisée aussi l'a fait. Élisée, c'est dans 2 rois, chapitre 4, verset 32, verset 35. Imam Ruda dit donc, pourquoi vous prenez seulement Jésus-Christ? Vous laissez Ézéchiel, vous laissez Élie, vous laissez Élisée. Ce n'est pas honnête de votre part. Si vous voulez dire que toute personne qui reçoit les morts doit être divinisée, divinisez tous ces gens-là. Vous voyez un peu la logique. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de palabre. C'est l'intelligence. Mais ça, il faut d'abord que le musulman soit vacciné et qu'il comprenne qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. Imam Ruda te dit que ne sois pas dans ton confort. Sors de ton zone de confort, de ta zone de confort et va apprendre les autres connaissances afin de pouvoir convertir ces gens-là vers la religion de la lumière qui est l'islam. Et ce qui est plus important, c'est qu'avec Élisée, même après sa mort, c'est ce qui est plus ridicule encore, même après sa mort, il va rester les morts. Regardez bien, ça c'est dans 2 Rois, chapitre 13, verset 20 ou verset 21. Au verset 20, la Bible dit quoi? Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. C'est-à-dire une année après la mort de Élisée, au verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans la sépulture d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Wow. La Bible dit que Élisée était mort. Il était devenu complètement squelette. On a jeté un cadavre sur son corps. Quand le cadavre a touché les os d'Élisée, ce cadavre-là a repris vie. Donc, lui, il est plus puissant que Jésus-Christ. Donc, même après sa mort, son simple corps a ressuscité les morts. Imam Ruda dit, c'est ridicule de baser votre divinisation de Jésus-Christ sur le simple argument qu'il a ressuscité les morts. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Ça, c'est Imam Ruda, alayhi salam. Allah nous accorde sa grâce, sa bénédiction. On fait avoir seul par lui afin que tous nos problèmes soient résolus. Santé, emploi et bonheur de couple, mariage, tout ce qui est blocage dans notre vie, qu'Allah débloque par la puissance et la lumière de l'Imam Ruda alayhi salam, le haq de Muhammad wa ali tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum ya shamsa shumus wa anisa nufus. Imam Ali ibn Musa.